voulais vous remercier d'être venus aussi nombreux cette année. Pour nous, c'est une véritable réussite, déjà sur le nombre de participants, puisque 67 équipages sont inscrits. D'abord un temps exceptionnel, et puis ensuite, quand on vous voit arriver avec la banane que vous avez, on se dit que ça ne devait pas être trop mal. Pour nous, c'est une belle journée en tout cas. En première position, la numéro 64, Philippe Vautré, Nadine Moraes. Nous sommes deux Aveyronnais. C'était notre première Porsche Nougat Cup. C'était la première fois qu'on faisait la Nougat Cup et nous avons découvert une belle région qu'on ne connaissait pas. Beau circuit, belle organisation. Eh bien, l'année prochaine, on est déjà inscrits. Et nous serons là l'année prochaine pour viser le podium. Nous garderons évidemment un très très bon souvenir de cette première épreuve. C'est une manifestation qui est très originale. Parmi tout ce qui a lieu en France tout au long de l'année, c'est la seule qui fait une épreuve de régularité. Et moi, ce qui me sidère, c'est que les gens ont quand même fait 300 bandes de petites routes toute la journée. Et apparemment, ils sont tous ravis, heureux. Très satisfait cette journée parce que je me suis aperçu que vraiment tous les gens avaient le sourire à chaque étape, à chaque arrivée. Et c'est un grand bonheur parce que si on est dans une association, avant tout, c'est pour le partage. Quand on s'aperçoit de ce qu'on peut donner, donc voilà, c'est magnifique.
Ce matin, j'ai prononcé les mots de passion-plaisir au départ. Et je crois qu'on a gagné sur ce plan-là. Parce qu'effectivement, la satisfaction, c'est de voir les participants heureux, satisfaits. Pour moi, c'est une grande satisfaction et ça laisse entrevoir des choses encore plus grandes.